C'est trop sérieux, vas-y, je vais me concentrer sur la partie. Je suis contre Endpoint de l'Immortel. Un bon match-up Hullbreaker encore. De toute façon, quasiment tous les match-up de Garen sont des bons match-up Hullbreaker. Mais particulièrement celui-ci. Ça veut? Oh putain, ça veut. Faut que j'y arrive. J'ai cru que j'avais start au Z. Le Nautilus en premier. On s'est fait invade? Après, ils ont pas vraiment des arguments pour invade. Peut-être qu'ils sont en contre-invade, genre là ou là. Oh! Va-t-il? Attends, mais le Nautilus a du ping? Attends, le Nautilus a marché à côté ou il s'est pris une tornade? J'ai l'impression qu'il a marché à côté. Oh non, je vais encore devoir pull, oh, ça casse les couilles. Ok, il voulait vraiment jouer sur sa pointe de l'immortel, lui. Mais c'est quoi ce mec? Il me tape! Littéralement, il me tape! Moi aussi, je te tape! Voilà, je te tape. Si tu veux qu'on se tape, on se tape, hein! La bagarre! J'ai jamais vu ça, on aurait dit que le mec joue Darius. Vraiment, il me clique droit dessus. En mode non! Non, Garen, tu ne vas pas farm! FF! Je pensais que je passais niveau 3 sur l'action. Il me faut mon niveau 3! Je vais régénérer nos passifs, j'ai forcément un bounce. Putain! Ma cancel le passif. C'est pas permis d'être agressif comme ça. Franchement, il délivre, vient top trust. Ce mec-là a plus de flash, il va forcément vouloir se refaire sur ce timing, on le retue. Il va pas s'arrêter après la wave, hein. Il va me courir dessus. Non, va pas bot side, non, non! Je me sens comme Walter White quand il crie dans la voiture là. T'avais littéralement un free kill. On se mettait bien tous les deux. On devenait riche avec les Dolex. Et t'as pas voulu de ça. Il y avait un vrai plan business là pour nous deux. Faut que je puisse reset pour les berserk. Le problème c'est que là il y a Lee Sin de mon side. Mais il a le droit? Il a le droit. Non! 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 Je suis... Non! J'ai plus... J'ai pas le canon, j'ai pas le grip, ça joue à rien. L'AMS de mon Q. Mais j'en ai marre de ce mec là. Nidalee, viens, je vais perdre passion, je vais devenir zinzin. Ma santé mentale est très faible et très instable.
ne donnez pas de répit à ce mec-là. Ok. Faut pas que je prenne le Q. J'ai pris le Q, FF. Tuez. Tuez, tuez. Piou, 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 piou. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je veux pas voir ça. Mais... Mon Dieu! Je récupère la meilleure lane, c'est au moins ça. Mais mon Nautilus est en 0-3 avec 20 creeps de retard. En vrai, vu ce qu'il vient de faire en top lane, ça s'explique. Je viens encore de louper un canon. Réellement ? Putain, on va la perdre cette game. Mais il a plus d'un million de points sur Horn, ce mec-là qui m'a couru dessus au niveau 1 et que j'ai First Blood. Allez, 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 faut pas qu'il mette une auto de plus. Non. Vas-y, Nautilus. Il pourra pas. Oh, le Lee Sin a tellement de ressources. Sans ulti, aucune chance. Le fait qu'il y ait Janna dans leur composition d'équipe me gêne. Sans ça, ça va, franchement, mais... Janna, ça va vraiment me gêner. Non. Bon, je vais régène. Putain, je crois qu'il y a une certaine différence de mid lane. Allez, mets une auto avec ton red buff. Oh, ok, j'avais pas besoin de faire ça, my bad. Oh, peut-être que... Oui! J'ai eu le canon. Il va peut-être me réengager à l'ulti direct. Est-ce qu'il va venir me cancel? Est-ce qu'il va me cancel à l'ult? Ok, non, c'est bon. C'est quoi? Je vais prendre ça et ça. J'ai envie d'avoir la MS sur les autos. Il kite un peu avec son Q, là. Non, je crois qu'Orn, il retire pas les shields. Oh! Non, mais Janna, elle est partout! L'ulti? L'ulti? Pourquoi il lâche pas l'ulti? Mais pourquoi il lâche l'ulti maintenant sur la Janna? Excusez-moi, c'est toxique de faire ça, j'ai eu un problème avec ma souris. Oh
Oh la gueule des games. Ah, je crois que j'ai perdu celle-ci. Hein. Ma botlane est en 0-6 et mon mid est en 1-5. Et je suis contre un tank top. Ok. Bien joué. Putain, mais il y a tout le temps quelqu'un qui meurt. Ça ne s'arrête pas, ils ont 17 kills en 10 minutes. Après, Nautilus, c'est facile à mettre en place comme pick et on a Garen et Nidalee pour follow-up. Genre, c'est bien Nautilus avec Garen et Nidalee. Non! T'étais pas bot il y a 2 secondes? Bah, je suis mort, mais... Il venait de tuer Nidalee, non? Il venait de tuer Nidalee où? J'ai l'impression qu'il l'avait tué en botlane. Oh my bad, du coup. Attends, mais il est de nouveau full life? Ah, mais il a un gore drinker. Il aurait pu réactiver, je pense, non? Ah, elle est morte. Boom. Y'a Skins en face. Y'a Skins en face. Ah, j'aurais jamais le temps de venir avant qu'il meure. Ah, c'était S qui avait solo Nida. Ah merde, c'est ça qui m'a fait troll. À mes yeux, c'est pas encore perdu, mais la team sent. C'est pas 100% loose, mais ça va être très compliqué. Hein. Ça sent fort. Très fort. Mais ça sent partout, en fait. C'est même pas, il y a spécialement un point faible, c'est tout. Tout se fait démolir, sauf moi. En ce moment, Dali se fait pas spécialement démolir, c'est juste que Lee Sin a pris beaucoup trop de kills sur le reste de la map. Mais elle a pas fait une mauvaise game, elle. Je crois qu'on a un problème de bot side. Mon bot side est en 1-16. Mais c'est pas une vanne ou une exagération. Mon bot side est en 1-16. À 13 minutes de jeu. En une charge, il va me la péter. J'aurais dû m'attendre à beaucoup d'horreur de la part de cette équipe après ce qu'ils avaient fait top. Ok. Ok. Non mais Twitch, il y a un moment où ça s'arrête. J'ai l'impression qu'il est tout le temps en death timer, lui. Oh mon dieu, ils vont le faire. Ils vont le faire. Oh, ils l'ont fait. Est-ce que je peux avoir un bounty? Oh mon dieu, double. TP du Horn. Peut-être que Lee Sin il va venir se venger. J'ai pas d'ignite, pas d'ult, il me bat en 1v1, je pense. Après, peut-être que Lee Sin il court bot plutôt. Qu'est-ce qui se passe, bot? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Est-ce qu'ils vont m'envoyer la botlane sur moi ou est-ce qu'elle court au Drake?
Les gars, je flippe la tour. Au pire, je meurs, tant pis, adieu. Oh là là! Et moi, j'ai Bounty et T2. Non, c'est dingue! Mais on a réellement comeback là, en fait, y a pas de van. On a comeback en 2 minutes 30, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, après, faut pas exagérer. Je pense qu'on reste quand même pas mal dans la merde, mais la game est pas finie quoi. Est-ce que j'ai le temps de prendre ça? Je vais reset, j'ai 4000 gold. Tant pis, s'ils ont ce dragon, la phase de lane est terminée, ça changera pas grand chose. Je vais faire plaquine tout couperé, je le sens bien. Bien mobile sur la map, plein de CDR pour avoir régulièrement mes CD. Je sens qu'il va falloir enchaîner les actions. On est trop derrière pour jouer proprement le split avec un Hullbreaker. Oh, le classique Lee Sin qui enchaîne les morts. Oh merde. Comment se passe l'action? Oh! Il peut pas réactiver, je les silence! Attends, ils savent pas que je suis derrière eux là, vraiment? Certainement vu, je vais prendre le push bot. Oh oh, what, c'est quoi cette merde? Félicitations. Et on peut même pas dire que j'ai pas de RM. Je suis Garen. J'ai 11 de RM gratuite avec le Conditio. Et là, avec mon Z, j'ai 28 de RM. Donc là, concrètement, j'avais 42 RM sur l'action. 42 RM bonus. Avec 600 HP bonus. Putain, c'est tellement faible Rumble, je comprends vraiment pas pourquoi c'est devenu aussi joué. Merci Nakashi, Nakishi Live et Punk Rock et Yugogo et Ikenz. Ok, ils sont en train de le trap top. Je sais pas si le Rumble va décaler top ou s'il décale sur moi pour me tuer à nouveau. Je suis pas très serein, je vais attendre. Oh, ça pue. Ah non, il est top. Oui, je sais qu'il a de la peine et je sais que son E shred de l'ARM, mais quand même. Est-ce que Lee Sin va me laisser prendre ça? Ce serait lourd. Attends, il était vraiment en 1v1? Ok, il était vraiment en 1v1, il croyait vraiment gagner ça. Peut-être que je me prends des gens maintenant, je sais pas si j'ai le temps. Oh. Il avait le spot parfait. Et puis il y avait une ward. Regardez-moi cette botlane haineuse qui me court après là. Regardez-les.
plein de haine, de vice et de malice. Bon, je m'en sors. Attendez, ils veulent jouer le Nash ? En soi, j'ai bien régène. Mais arrête d'avoir le troisième œil, toi ! Ah, il y a un peu de vision, je crois. Pourquoi ils l'apprennent pas ? Je vais reset. Si je fais un Null Breaker, je pense que je bats le Rumble en side, mais avant ça, il me défonce. Oui, j'ai vu aussi son message du Strauss. Franchement, merci à lui. Oh, je ressens. Il y a eu un flash-in, là. Un gros flash-in de merde, mais un flash-in quand même. Ouh, cet engage est si forcé. Il n'y a plus de flash sur Ezreal, c'est au moins ça. Partez, il va tout venir ramasser avec son ult learn. Ok, faut que je me tire. Lee Sin est certainement counter jungle, je voulais pas qu'il ait ça. Ok. Il y a Rumble qui arrive bot. On vient de voir une... Oh, je suis bête. C'était évident, je suis pas focus. Mais c'est trop l'heure des cavernes. Et Estoy So. Qu'est-ce que tu fais? Il y a le Drake. Ils ont le Drake, ils vont nous menacer la soul. Ah, c'est ma faute, j'aurais pas dû mourir. Peut-être un truc si je prends le portail? En fonction de ce qu'ils font. S'ils sont séparés ou non. Faut pas oublier que ce mec-là a plus de flash. Il voit vraiment partout par contre. Hein. Ouais, je peux rien faire. Ah, ils ont le Nash, fin de game, j'en ai marre, FF. J'enchaîne des joueurs trop nuls là, ça m'agace. Je peux légit rien faire. Si je sors un tout petit peu de la tour, c'est bon, c'est une erreur, ça va aussi. La game est injouable. Franchement, dans les games désespérés comme ça, je vais tenter un 1v1 que je vais perdre à quasiment tous les coups. Mais si j'ai l'initiative sur lui et qu'il me face check avec l'ignite, je peux peut-être le tuer. Ok, il va pas me face check, on oublie. Je pense que ça se flippait. Oh, vas-y! Je ne peux! Je suis toujours oppressé. J'ai jamais personne.
Ils nous prennent la T2. Rumble a pas de Zonia. Oh, et l'autre qui peut troll toute la game et ça a aucun impact, ça agace. Attends, Nidalee est morte, elle vient de mourir de quoi et où? J'ai même pas vu qu'elle était morte. Voilà ce qu'on vient de faire de nos CD. Au moins ils avancent pas. Ah, ils me mettent le Rumble. Qui on devrait se satisfaire de ça, je pense. Je sais pas si je vais faire un Null Breaker. Peut-être qu'il faut plutôt que je fasse une force. Je sais pas si je pourrais tirer profit de Null Breaker, vu comment est la game. Après, encore une fois, l'item est tout le temps bien, vraiment. Là, je pourrais faire Null Breaker puis une force. Il a cramé tellement de ressources sur H. Va y voir la soul qui pop. S'ils ont la soul avec ulti Rumble, les ulti Horn, on est vraiment dans la merde. Faut éviter que ça arrive. Merci Starkeys, Black Yoda, Elix avec Prime. Je vais attendre pour la RM. Même sans le passif, toutes les stats sont bonnes. Le Lee Sin est top. Bon, tout le blue side est certainement wardé. Flip une arrow, flip une arrow, flip une arrow, flip une arrow. Flip it. Oh, c'est beau. Ok, je vais pouvoir tout régénérer avec le passif si on me donne le temps, surtout que j'ai un red buff. Oh. Qu'est-ce que fait ce mec? On l'élimine vite. Je crois que Lee Sin finit la game. Il n'aura pas les deux tours. Attends, attends, attends. Je vais le cut par là. Faut lire ses mouvements. Ok. Je suis derrière lui. Il a pas l'embarras du choix. Bon, c'est d'ici. Donc il a l'embarras du choix. Mais il l'a pas tant que ça. C'est worse, ils ont pas la soul, on perd une tourelle Nexus, on a encore le Nexus défendable. Ils ont tous perdu beaucoup de ressources. Je suis bientôt niveau 18 avec toutes ces conneries. Le S fait trop mal par contre. Et la force va pas trop me protéger de lui. Un peu mais pas trop. Et j'ai envie de me pisser dessus. C'est un autre problème, ça. Ah, c'est vrai qu'il y a le Nash. Après, notre Nautilus est bot. Faut qu'on prenne le push mid. Je vais le prendre. Ah, j'aurais peut-être dû le laisser à Twitch. Après, je sais pas, Twitch était loin.
Ils l'ont peut-être vu sur... Oh putain, ça se tentait. Ok, faut le protéger. Bordel, il avait une stopwatch, le salaud. Ok, je m'en sors. Je suis derrière eux et je régène tout au raid. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est quoi ces shields? Oh my bad. Bon bah je vais pisser. Ok, c'est bon, je suis heureux. Je vais avoir la force pile à temps. Oh merde, ils ont fight un tout petit peu trop tôt. Essayer de lui retirer son GA au moins. Est-ce que je survis? Ouh, 13 HP. Ouais, mais on perd la game. Bon, tant pis, j'ai cru qu'on allait pouvoir la comeback, mais... ça a resté trop dur tout du long. Et sur la dernière action, il fallait que je tente de tuer le Horn, sinon ils allaient juste prendre un achat gratuit. Je pensais qu'ils étaient un peu plus désordonnés que ça, surtout que le Horn avait tendance à faire de la merde dans son coin toute la game. Du coup, j'ai flippé cette action, mais c'est pas passé. Merci Siav. Je joue au Horn Idali. Aïe aïe aïe.